Coucou tout le monde, et ben voilà, on est arrivé à Grand Teton. Et donc je vais vous présenter Teddy. Teddy, c'est notre, va être notre compagnon de voyage pendant ces 12 jours entre Grand Teton et Yellowstone. Donc c'est un van. Voilà, donc il s'appelle Leonardo da Vinci, mais on a préféré l'appeler Teddy, comme l'ours. Voilà. Donc c'est un van de la société Native Camper Van, mais je vous en dirai plus un peu plus tard. Alors on va commencer par la cabine. Alors donc il y a deux sièges. Celui-ci il tourne à 360 degrés. Et je vous ferai voir, on peut manger de l'autre côté du coup avec une table. Alors, donc on a des prises USB. Il y en a là, il y en a là. Vous en avez là, il y en a un peu partout. Celle-ci en fait c'est une prise 12 volts. Hop là, là vous avez un petit vide-poche avec une enceinte Bluetooth. Là vous avez la notice du van, Native Camper Van, un petit support téléphone qui va bien. Donc le poste de pilotage, ben, vous avez le régulateur de vitesse, vous avez la climatisation, boîte auto. Il marche plutôt bien. Là on vient de Salt Lake City, on a fait quasiment 500 km avec. Il marche nickel. Donc vous avez des petits rangements au-dessus. Voilà. Des porte-gobelets qui vont bien. Alors après on passe à l'arrière. Alors voilà le petit aménagement. Donc vous avez une table qui est là sur le côté, qui peut venir se fixer ici. Et du coup avec le siège qui pivote, vous pouvez manger là et l'autre personne sur le siège. Donc vous avez des rangements un peu partout. Voilà. Il y a des rangements ici. Bon, on a fait les courses, donc il y a déjà plein de choses. Encore un là. Voilà. Vous en avez encore ici, avec tous les ustensiles de cuisine. Voilà. Encore un autre rangement ici. Là, on a l'eau. Là, on a les plaques de cuisson. On a le frigo. Encore un rangement ici. Là, c'est le panneau électrique. Donc là, vous voyez, il y a l'indicateur de batterie. On peut voir en pourcent. Donc, elle est chargée à 100%. En fait, la batterie, il y a des panneaux solaires sur le toit. Et sinon, elle se recharge quand on roule. Donc là, vous avez les interrupteurs pour la lumière. Voilà, qu'on peut régler. Ça, c'est la pompe pour l'eau. Donc, il faut activer avant de faire marcher l'eau. Là, vous avez encore des prises USB. Vous avez des prises traditionnelles. Donc ça c'est l'espace couchage. Donc quand vous louez le van, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez les oreillers, le drap housse, la couette, il y a même les serviettes pour la douche. Il y a la climatisation, vous avez encore une lumière ici. Et je vais vous faire voir donc le grand coffre qui est là. Voilà, c'est vraiment un coffre immense où on peut encore ranger tous les bagages, des courses. Là vous avez même des chaises de camping, il y a un hamac, il y a une table de camping. Voilà, en haut vous avez un petit lanterneau qui s'ouvre, la caméra de recul qui est ici. Là vous avez les portes qui s'ouvrent complètement avec encore des petits rangements. Et pour le carburant, ça se passe ici. C'est du sans-plomb comme pour les voitures. Et voilà, bon ben. Ce soir, donc, on va passer notre première nuit. Là, on est au camping Gros Ventre à Grand Teton. Et donc, je vous dirai comment ça s'est passé. Mais en tout cas, la conduite était géniale. Et puis, bah, là, niveau équipement, ça a l'air plutôt très bien. Donc, hâte de tester tout ça. Et voilà. Et bien, sur ce, à bientôt!